Salut à tous, c'est Rayek et bienvenue pour ce nouvel épisode Stone Earth. Alors, donc aujourd'hui, on va démarrer simple. J'ai tiré au sort un gagnant pour renommer un des petits bonhommes. Et j'en ai choisi un dans le lot. Voilà. Je ferai ça tous les mardis. Je vous proposerai, donc je ferai le résultat et tous les vendredis, je vous proposerai un petit truc qui peut être différent pour vous inscrire. Alors, ceux qui sont déjà inscrits, soit vous pouvez vous réinscrire, mais indiquez-moi que vous voulez changer de métier. Voilà. Sinon, si vous voulez rester ce que vous aviez proposé, eh ben, ça restera comme ça. Voilà, parce qu'il y en a peut-être certains, je vais peut-être avoir des persos féminins, vous ne voudrez peut-être pas avoir un perso féminin, ou etc. Voilà, donc je vais commencer le gagnant qui a été tiré au sort. C'est The Pipo Joe qui voudrait être trappeur. Alors, je n'ai pas encore le trappeur, mais je pense que je vais essayer de savoir. Voilà, quand je voudra, il y a des chances que ça soit un personnage. Alors, j'espère un masculin. Zand, c'est un monsieur, ça? Est-ce qu'ils font la différence? Est-ce qu'ils mettent travailleur et travailleuse? Non, il n'y a pas l'air. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé. J'avoue que j'hésite là. Si c'est un bonhomme, un petit monsieur ou une petite madame. C'est un mélange. Je sais pas là. Ça a l'air d'être plus un bonhomme, mais voilà. Enfin, il y a non, je dirais plutôt une dame. Zand, est-ce que c'est masculin ou féminin? Alors, je vais peut-être en choisir un autre qui je serais sûr que ce soit. Sinon, c'est pas grave. Bah, lui, ça c'est sûr, c'est un bonhomme. Donc, je vais renommer celui-là. Voilà. Donc, pour renommer, il suffit juste de d'aller au niveau du nom du personnage. Je fais The Pipo Joe. Et ce personnage-là deviendra, je valide, voilà, deviendra le trappeur. Voilà, c'est fait. Première personne qui a été tirée au hasard. Maintenant, la personne qui a choisi. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Bah, c'est lui qui a proposé l'idée de souvenir. Hein. J'espère que je ne me trompe pas. Désolé si je me trompe, mais normalement, c'est lui. Donc, et il voulait être le forgeron. Donc, ce sera Virgile Berceau, qui me suit en plus depuis un petit moment. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Vous inquiétez pas, pour le moment, vous êtes quand même 15 à avoir voté. Je pense qu'il y aura assez de bonhommes d'ici là. Donc, il y a des chances que votre nom soit, à moins que d'un coup, j'ai énormément de gens qui viennent. Voilà. Donc Virgile Berceau devient. Ou Berceau. Ouais, Berceau. J'espère que j'écorche pas trop le nom. Donc qui sera le forgeron à partir de maintenant. Voilà. Donc vendredi, je proposerai un nouveau petit. Ce sera pas un concours, mais ce sera peut-être aller poster sur Facebook, aller poster sur Twitter pour donner vos choix. Sachant que ceux que vous êtes déjà inscrits, vous n'êtes pas. Vous pourrez soit décider de changer. Soit de garder le choix que vous aviez voulu. Alors, ceux qui ont choisi forgeron, malheureusement, il n'y a pas d'autres forgerons. Donc, il faudra. Oula. Il faudra faire une demande pour changer. Voilà. Allez, c'est parti. Je réanime le petit village. Donc, aujourd'hui, comme d'hab, je vais essayer de faire une petite construction. Donc, je vais envoyer un max de gars miner. Pour le moment, si possible, on va faire hop hop. Je sais que si je fais pas trop de choses, ils vont y aller. Il faut que normalement en métier, j'ai notre ami le charpentier qui est arrivé dernièrement. Ah, où c'est envahisseur? Ouais, enfin il est loin. Hein. Ah, ok. Je pense qu'il va aller s'attaquer à l'autre. On va envoyer le guerrier. Non. Voilà. En plus, ça va me faire du bois. Ça, c'est top.
C'est bien, parce que ceux-là, ils sont bien, ils ramènent du bois. Donc, j'en étais, en attendant qu'il aille poutrer la gueule au... J'ai mon artisan là, et je voudrais déjà qu'il me fasse une porte importante. Est-ce que je peux la faire? Je suis en train de chercher. Bah, elle est où, cette nouvelle porte? C'est moi ou il n'y a pas de porte? Ah si. Oh là là. Donc je vais faire une porte de tunnel. Parce que au cas où y ait de la bestiole. Quoique. J'ai 3. Faudrait que je m'en fasse 3 en fait. Je vais m'en faire même 1, 2, 3, 4. Donc m'en faut 3 autres. C'est pas grave, j'utilise un peu de bois, mais ce sera toujours. Parce que je vais les poser ici pour protéger. Parce que comme je fais des mines un peu grandes, on ne sait jamais, ça risque gêner ou ça risque, il risque popper des créatures. Voilà, donc là normalement il a buté un petit mob. Ah ben non, c'était... Bon, bah, il a lâché de la pierre lui. Bon, c'est pas grave. Ici, ils sont en train de faire le deuxième, enfin le nouvel étage. Alors, en construction, qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, je pense qu'il faudrait que j'enlève tout ça. Ça va être long à enlever. Parce que je voudrais, ou quoique pour le moment j'ai encore, je peux encore faire de la maison par ici. Reviens là. J'hésite encore à faire de la maison, parce que... Il faut que j'avance quand même sur les maisons, parce que j'en ai en tout 12 à faire. J'ai fait celle du... donc d'un des... c'est le potier. Il faudrait que j'avance sur les maisons. Ben je vais faire le tailleur de pierre. Donc lui, je vais lui faire une maison en pierre, pas une maison comme ça. Ah, j'ai de la bestiole qui arrive. Le guerrier va devoir dépoter du mob. Donc il passe à travers les portes. Donc on va le faire attaquer. Oh, il y va là. Bon, bonjour. Oh non, mais il les défonce. Oh, bonjour. Bah. Bonjour. Il les a dépotés. Il fait extrêmement mal, c'est très fort. Allez, hop, ramassez-moi tout ça. Voilà, ça fera des ressources tranquillou. Putain, il y a plein de trucs encore au sol, mais c'est pas grave. Donc normalement, les portes, ils ont dû les faire. On va le faire tout de suite. Ça, j'oublierai pas. Les portes ici, donc j'en veux une là. Alors ça, c'est encore un des défauts, je trouve, du jeu. C'est que des fois, quand il y a des constructions ou autres qui sont mises... Voilà, une porte ici et une porte là. Et je suis bête, donc ça va être là plutôt. Non mais... Arrête de me les tourner, voyons! Voilà. Comme ça, ils seront à peu près protégés. Et il y aura pas. S'il y a des monstres qui pop par ici, ils ne viendront pas m'envahir. Donc, c'est quand même plus pratique. Voilà. Alors, pour la construction de la maison en pierre, je pense que on va la faire ici. Ouais. On va leur faire. On va faire une petite maison tranquille en pierre. Donc, parce que de la pierre, j'en ai. Bon, ça, si je vais en utiliser beaucoup. Hein. Alors, je vais pas faire des grandes maisons, parce que niveau ressources, pour le moment, je suis pas encore bien. Donc, je vais faire un truc, voilà, 4, 13... Quoique, il faudrait peut-être que je lui fasse quand même un... Ouais, si. Allez. Allez. Ce sera bien. C'est quand même le tailleur de pierre. Alors, je vais pas utiliser de ça. Je vais vraiment utiliser de la pierre. On va faire un mur comme cela. On va faire une séparation comme pour l'autre. Il y aura l'atelier et la chambre. Enfin, ces ateliers et la chambre. Où je mets... Ouais, non, je vais... C'est le forgeron que je mettrai en extérieur. Oui, le forgeron n'aura pas tout de suite. Hein. Désolé. N'aura pas tout de suite ce qu'il faut. Niveau porte. Je vais rester sur... Oula. Non, tiens, on va changer. On va prendre de la verte pour une fois. Une ici. Et une porte ici. Voilà. Comme ça, il aura son petit atelier. Emplaçable. J'ai pas tout. Donc, il faudra que je les construise. Mais je les ferai après. De toute façon, je vais faire comme d'hab. Hein. Je vais d'abord construire la maison. Et je remplirai après. Après, pareil. On veut un toit en pierre. Oh!
Waouh, ils ont fait déjà les murs qui ressemblent à des... Ah ouais, d'accord, c'est bien. Faut vraiment que je fasse un mur. Bon, je peux me faire... Ils ont fait les murailles. Ouh, je vais faire Mumuse à faire des murailles plus tard. Ouh là là. Et il va avoir un petit toit simple. Oui, un toit comme ça, s'il te plaît. Voilà. Tu veux me le construire? Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas me faire son manteau? Ah! Ah zut! Ça bloque le truc au milieu. Faut que j'enlève. Alors on annule, on annule, on annule, on annule, on annule, j'annule, j'annule, et j'annule le mur, donc faut que je fasse d'abord le toit. Donc le toit 4 c'est un peu haut. 2. Ce sera pas mal. Voilà. Bon, ça va être une musique. Une musique. Une maison simple. Donc je vais refaire la séparation, comme j'avais dit, en pierre, toujours. Par là. Ce sera très bien. Non, ça n'a pas pris. De là. À là. Ok. Oups. Non, d'accord. Ça a planté. Ah, ça m'a buggé complètement le truc. J'y crois pas. Ok, bon, on recommence. Ouf, j'ai eu peur que ça, le truc reste. Alors, j'avais dit 22 sur 13. Voilà, on va faire 25 sur 13. Voilà. Ah, ok, le jeu a buggé. Je reviens. Petite sauvegarde et je reviens. Alors, de retour dans le jeu et j'ai loupé mon rapport journalier. Je suis dégoûté. Donc, je ne sais pas si j'avais eu un petit bonhomme ou pas. Donc, voilà. Donc, oui, le jeu a planté. Ça arrive. Hein. De toute façon, le jeu est encore en alpha. Hein. Donc, la stabilité, c'est à revoir encore. Alors, c'est reparti. Donc, j'avais dit 25 sur 13. Voilà. Ok. Alors, je vais faire simple. Voilà. Je vais faire ça. Je vais faire le toit à 2, comme j'avais dit. Voilà. Je vais réduire le toit de 1. Alors je vais essayer de pas faire la connerie. En fait, faut pas que je le mette ici dans ce truc-là. Parce que c'est dans le mur. Et je pense que le jeu n'apprécie pas. Je vais faire de là à là. Voilà. On va mettre la porte. La porte verte. Ah mais d'accord. Ok. Mais j'économise mon bois. La porte ici. On va mettre l'autre porte ici. Alors, il y en a un qui me disait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fenêtres. Alors, beaucoup de fenêtres. Je vais essayer de le faire. Il a le toit rouge, hein, c'est ce que j'avais mis. Allez, donc je vais mettre des fenêtres rouges qui iront avec le reste. Allez, on va lui mettre un petit peu plus d'aération. On va en mettre 2 et 2. On peut lui mettre à côté. Oh, ça fait joli à côté aussi. Et on va faire 3 à côté même. Allez. Mais là, je vois plus. 3 à côté. Allez. Je suis pas un designer. Hein. Donc les fenêtres sont à cet étage-là. Là. On va avoir une maison bien qui pourra aérer facilement. Voilà, c'est le mec qui a designé, a décidé d'en mettre 3 comme ça. Et dans l'atelier, je vais lui en mettre que 2. Voilà, ici. En plus. Parce qu'il y en a déjà quand même quelques-unes. Voilà! Donc on a fait la petite maison de base, donc je vais construire ça. Donc il me faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fenêtres, 2 portes, normalement. 11 fenêtres, je me suis trompé, 11 fenêtres, 2 portes, une brique d'argile. Ça doit être pour le toit, ça. J'ai dû me tromper sur quelque chose, mais bon, c'est pas grave. 21 pierres quand même pour tout ça. Waouh, bon. De toute façon, j'ai demandé à mes bonhommes. Voilà, oh, ils ont démarré tout de suite. Ça, c'est top. Donc, j'avais dit 11 fenêtres, 2 portes. Alors, je vais d'abord lancer les portes. Ici.
Donc, je veux deux portes. Et 11 fenêtres. Ah, je suis en train de bouffer toute ma réserve de clés. Voilà, donc la maison est en route. Après, derrière, il nous faudra un lit. Qu'est-ce qu'il vend? Non, mais est-ce que j'ai des trucs à vendre pour augmenter? Normalement, je dois avoir des fleurs, là, plein de fleurs à vendre. Oui. C'est bien ces fleurs d'en récolter, mais je me fais des sous. Petit à petit, j'avoue, mais je me fais des sous. Alors, je garde tout ça pour le moment. Ah, ben, le trappeur, je vais pouvoir le faire bientôt. En fait, je vais pouvoir le faire. Des chaises, normalement, j'en avais de côté. Il faudra que je regarde combien. Alors, bonhomme en plus? Non. Pas assez de bouffe et pas assez en richesse. Donc, voilà. De toute façon, j'aurais loupé celui d'avant. On va lui faire un petit vase. Ah! Ah, faut faire un vase comme ça avant. Et bon, on va faire un vase comme ça avant. Et après, on fera un truc comme ça. Ah oui, ils ont fait des nouvelles recettes un peu spéciales. C'est sympa. On va lui faire une mosaïque de sol. Voilà. Non, c'est tout, hein. Puis après, on va lui faire... Non, j'y pense. Je vais lui faire plutôt tout ce qui est... pour chez lui, chaise, table, en pierre. Hein? Non, mais... Ouf, la pierre, ça va, j'en ai assez. Je vais lui mettre 4. 4, comme ça il bossera un peu, ça lui fera monter de niveau. Je vais lui mettre des lanternes murales. Je vais en faire 2 pour lui. Et ça le fera monter de niveau, comme ça je préfère bientôt les gargouilles. Ça quand même un petit peu mieux. Voilà. Bien, donc la construction est en cours. Les petits bonhommes continuent à bosser avec... Ils mettent un peu de temps, mais c'est pas grave. Je vais quand même donner l'ordre d'aller miner un petit peu plus. Pourquoi ça m'a ouvert ça? Il y a des moments, on se demande. Hein. Alors, je vais pas leur demander plus. Je vais faire petit à petit. Je vais préparer la construction. Pour la pyramide qui avance quand même, elle avance bien. Alors la pyramide, non, tu veux pas me choisir autre chose là? Je fais ça et il me reste, voilà, 44 pierres. Oui, non, mais je sais qu'il y a déjà 44 pierres. Ah, je peux retirer l'ensemble, d'accord. Mais non. Parce que moi, je veux... Oh, il y a des moments, ça veut pas. Hein. Je vais prendre, c'est ça, donc. J'avais dit... bah, je vais faire 1, 2, 1, 2 à chaque fois. On verra. On verra. Donc, normalement, là, je devrais être à... j'étais à 35 la dernière. Donc là, c'est 33. B. Ah non, c'est 30... 33, oui, c'est ça. Je vais vérifier quand même. Ça a l'air d'être bon. Je suis à 1. Je suis à 1. Et eh ben, on va rajouter. Donc, je préfère la faire petit à petit que de la faire d'un coup. Parce que je suis pas sûr qu'ils arrivent à la faire. Que là, je suis à peu près certain qu'ils vont arriver... à faire les... zut, je me suis trompé, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, hein, si... De toute façon... On verra. C'est pas grave. Ok, bon, donc je l'ai préparé. Ça va me coûter combien de pierres, ce truc? 35 pierres, quand même. Je sais pas s'ils ont augmenté. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté fortement le coût. Des constructions. Alors je sais pas si c'est dû à mes petits bonhommes. Ok. Tailleur de pierre niveau 4. Alors je vais commencer à... je vais choisir le trappeur. Donc le trappeur c'est The Pipo Joe qui va changer de profession et qui va devenir le trappeur. Un des premiers trappeurs parce que j'en aurai besoin de deux. Alors... C'est parti et on va l'envoyer. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de mort dans ce jeu. Ça, je vais le récupérer. C'est génial parce que ça se revend bien. Alors, où est-ce que je vais le mettre par là-bas. Même s'il y a la pyramide, je pense qu'il arrivera à choper des trucs par là-bas.
Sinon, je changerai de coin et ça évite qu'il y ait trop de monstres. Voilà, je vais lui faire deux zones de chasse pour le moment. Oui, je vais peut-être valider les deux, sinon il va pas les bosser. Allez, au boulot! Allez, esclave, au boulot! Allez. Bon. C'est bon. Ouais, ils m'ont récupéré plein de choses. Je vais continuer peut-être à faire bosser notre ami le forgeron. Et qu'il n'y a plus rien à bosser, puis il n'a pas encore son niveau. Il va me falloir un max d'acier. Oh là là, le bois, comme j'en ai plus. Donc je vais attendre. Je vais attendre un peu. Oui, parce que j'en ai plus du tout là. En attendant, je vais le tailleur de pierre, il va me faire. Je vais poser plutôt de nouveaux coffres. Je vais en mettre que 4. Je me les mettra et je vais dégager tous les métaux ici. Sinon, j'ai l'air d'être en manque de bouffe. Je vais mettre tout ce qui correspond à ça dedans. Voilà. L'autre, il l'a amené, mais il l'a posé à côté. Fous-toi de ma gueule. Fous-toi de ma gueule. Ouais. Et il va falloir que je commence à m'intéresser à faire des chemins. Parce que ça... Voilà, enlever tout ça. Et je veux que tu m'enlèves tout ça. Voilà. Ça, je vais bientôt virer ces zones-là. Ça fera du... potentiel de lag en moins. Allez, ramasse ça. Ils ont les ramasser l'autre. Ouais. En bouffe, il va falloir que je fasse un deuxième fermier. Alors, il a posé des pièges. On va espérer. Ah, il semblerait que... Non, il n'y a rien pour le moment. Donc, on va voir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée par là. Je vais, sinon, au pire, le mettre par ici. Mais je pense que la chasse, ça va être assez pauvre. Négociant, bien le bonjour, City of Rayek. Je ne fais que passer, mais nous pourrions peut-être faire un peu de troc. Si vous pouvez m'avoir deux théières décoratives, je serai de retour dans 2 jours et je pourrai vous fournir un lit confortable en échange. Qu'en dites-vous? Théière, théière. Théière. La théière, c'est ça, hein? Ouais. J'espère qu'il aura fini avant, on va lui faire faire hop là, priorité. Ok, alors est-ce que la bouffe je vais en avoir assez? Est-ce que les richesses je vais en avoir assez? Est-ce que je vais arriver à chasser? Donc il poche des pièges. Oh, il a eu, c'est bon. Donc il arrive à avoir des petits trucs et voilà, même chasseur va nous ramener un petit peu du nécessaire en bouffe, etc. Il va me falloir un deuxième fermier. Alors est-ce que je vais avoir assez? Oui, nouveau petit bonhomme! Alors c'est Lyriarine qui a l'air d'être une petite demoiselle. Alors fais voir tes stats. Tes stats, t'es pas physique, mais je pense que tu pourrais être tailleur ou un truc comme ça. N'hésitez pas, d'ailleurs, ça me fait penser, à indiquer le type, si vous voulez, masculin ou féminin. Parce que des fois, au niveau des pseudos, c'est difficile de savoir si vous préférez masculin ou féminin. Bon, j'ai quand même beaucoup plus, hein, j'ai regardé un peu les stats de ma chaîne, j'ai beaucoup plus de gars qui regardent mes vidéos, mais quand même, n'hésitez pas à préciser. Toi, t'es qui, toi? Le forgeron niveau 4. Tu dors debout. Ok, il dort debout, parce que là, il est en mode je dors. Je dors debout, salut les gars. Ok, ce serait bien, je crois que j'ai un manque de bois, ce qui fait qu'ils ne vont pas creuser. Le monsieur ne continue pas la maison. Et c'est à cause de ça. Faut absolument... Oula! Un zombie. Alors, est-ce que le zombie va être gentil et va looter du bois? Va lui péter la gueule, mon guerrier. Alors, j'ai l'impression que ça repousse. Alors, d'un autre côté, ça, c'est pas mal. Je vais demander à mes bonhommes d'aller chercher ça ici. Toutes les ressources qu'il y a là. Parce que je pense que j'aurai du bois qui manque. Va aller chercher ça. Le bois ici, et puis la pierre, c'est pas grave. Et le bois.
Voilà, hop, allez, pète les... Oh, il a déjà... J'ai à peine regardé. Oh, c'est bon, il le défonce, ce zombie. Allez, au revoir, le zombie. Alors, dans le coffre, il y a quoi? Oh non, je veux pas ça. Bon, c'est pas grave, mais j'aurais préféré autre chose. Voyons. Alors, donc, j'espère qu'avant la fin de l'épisode, je vais laisser 2 minutes de plus, parce que je pense que le temps, un petit peu des explications au début, plus la petite coupure que j'ai dû faire parce que le jeu avait un petit peu merdouillé. Voilà. Donc, je vais pas créer de nouvelles actions là, parce que l'épisode va bientôt toucher à sa fin. De toute façon, on terminera, j'agrémenterai de toute manière toutes les maisons. Petit à petit, hein, de toute manière, parce que il y a le tisserand qui va arriver plus tard. Donc voilà. S'il y a un truc qu'il faut, je veux qu'ils aillent me ramasser tout ça, quoi. C'est hors de question qu'ils me laissent tout ça au sol, quoi. Il va falloir bosser un petit peu plus, les gars, là. Alors le bois, est-ce qu'ils vont me le récupérer? Bon, déjà ils ont fait ça. Je vais leur demander de récupérer le bois en priorité. Voilà, j'allais demander où aussi. Là. Voilà. Oups. Ah non, j'ai toujours ce truc qui déconne, je ne sais pas pourquoi. Quand je filme, ça ne veut pas. Me demandez pas pourquoi. Ah ouais, le bois, c'est cruel, hein. Surtout quand il fait des échelles qu'on est obligé de faire des échelles en bois. Il ne pourrait pas faire des échelles en clé. Non, je rigole. Bon, il ramasse pas grand chose par ici, notre petit trappeur. On va voir si ça me ramène beaucoup de peau ou le truc comme ça. Sinon, j'ai vu qu'il y a la petite bestiole par là-bas, donc il y a des chances que je l'envoie par là-bas. Et je ferai peut-être un mur de protection ici et un mur de protection qui ferait tout ça. Comme ça, ça me laissera la zone tranquille pour mon mur, enfin pour faire mon futur château par là. Et je pourrais virer ces barrières-là. Donc je pense que le prochain, ça va être la construction des défenses. Et on va tester le nouveau truc qui fait l'espèce de toit là, en mode... comment dire... créneau de château. On va voir s'il chope des trucs. Non, j'ai pas l'impression qu'il chope beaucoup de choses par là. Je voulais essayer de voir s'il y avait quelque chose, mais... il glande rien, donc je vais donner l'ordre de construire ça. Ils auront deux choses à faire en même temps. De toute façon, c'est pas très très grave. Parce que quand le bois va arriver, normalement ils reprendront, j'espère. Non, si, si, c'est bon, ils y vont. Je les vois, ça y est, non, on y va. Est-ce que... Donc, il y en a qui minent. Lui, j'avais dit que... Lui s'occupait, il faisait que du minage, il fait jamais des bâtiments. Elle, je pense que en attendant, elle va faire que du minage, j'ai jamais de création de bâtiments. Et je vais envoyer deux bonhommes continuer à miner pour me récupérer un max de ressources, parce que sinon je vais être en manque. Donc je continue mes petits tunnels. C'est bon, ça va, ils sont partis à fond. Le bois, est-ce que ils veulent pas continuer malheureusement? J'ai pas assez de bois, je pense. C'est un peu dommage. C'est pas encore parfait. Bon, je pense qu'ils vont le continuer, hein, le bâtiment, sinon je serais un peu dégoûté. Bon, je pourrais donner l'ordre de l'arrêter, hein. c'est pas un problème. Pourquoi il veut... Ouais, c'est un bizarre. Je vois une vitesse. Bonjour. La pyramide sera sûrement finie avant tout le reste, je crois. Comme c'est parti. On fera de toute façon un métier au prochain épisode. Donc de toute façon, vendredi, je vous proposerai donc négociant. Bonjour. Par 7 clés d'or, je serai de retour dans 2 jours et je pourrai vous fournir 2 haches géantes d'os. 7 clés d'or. C'est des raids en plus, hein, raids. Ah ouais, mais non, j'ai pas assez. Malheureusement, j'ai pas assez. Donc non. Comme ils vont pas me ramasser mes ressources...
Ah, mais c'est dingue ça. Je pourrais avoir un vrai négociant où je pourrais vendre des trucs et récupérer du bois. Ce serait possible qu'il me termine ma maison. Oh, la pyramide, elle va être énorme. Oh, mon Dieu, comme ça va être trop grand. L'autre, bonjour, je dors en plein milieu. Moi, j'avais envie, hein. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Allez, bon, j'aurai pas de nouveau bonhomme. Mais je suis pas loin. Ça va. C'est moral en plus, ils sont bien. Donc je pense que petit à petit, ça va être pas mal. Non mais sérieux, j'ai plus de bois du tout à ce point-là. Non, c'est pas là qu'il faut aller regarder. Ouais, non, j'ai. Bah, si j'ai du bois. Non, ils aiment pas les bûches de cactus. Ils préfèrent la bûche de chêne. Bon, en pierre, je suis pas en manque, hein. Donc de ce côté-là, je vais pouvoir faire. Le forgeron a fait. Le forgeron. Le tailleur de pierre a fait son boulot. J'ai. Ouais, les coffres en pierre, c'est normal. C'est tout ça. J'ai un petit peu plein de trucs ici. Donc ça, c'est nickel. J'ai le totem à vendre. Ah oui, j'avais dit que ça, j'allais le placer sur la maison ici. Parce qu'on n'a pas le. Pour indiquer que c'est. Un travailleur, une maison de travailleurs, voilà. Est-ce qu'ils vont arriver à me la placer? Non, je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Est-ce qu'ils vont arriver à me la faire? Est-ce que ça va débloquer pour là-bas? Parce que j'ai pas l'impression que la maison. Ou alors est-ce que c'est les fleurs qui gênent? On va les déplacer les fleurs. Parce que ça, c'est une petite nouveauté qui est bien sympa. On peut déplacer des plantes. Est-ce que ce serait pas ça qui foutrait la merde pour qu'il puisse continuer? Ah ouais, autant ça foutait la merde. Ah, je vais faire suspendre et je vais faire construire. Oui. Donc on va voir. Sinon j'espère que ça m'a pas planté la baraque. Je ne peux pas quitter. Petit bug du jeu, bien sûr. Hein. Voilà. Mais je connais l'astuce. Un ennemi ou ça? Oula, 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 vite, 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 pause. Non, mais t'attaques pas à eux. T'es un grand malade. Retourne là et le guerrier va venir dépoter ces gars-là. J'espère qu'il va pas rester là, sinon il va se faire tuer. Non, c'est bon. Parce que 3, il peut pas les affronter là. Il est pas armé. Et ce serait dommage de perdre notre viewer. Où il est où le guerrier? Il y va, vas-y, fonce le guerrier, pète la gueule à ce loup. Et aux autres, bien sûr. Dégage. Non, 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 t'arrêtes pas, va là-bas. Il y en a d'autres à buter. Voilà. J'enlève le mode défense. Alors, normalement, il y a notre petit herbaliste qui viendra le soigner, j'espère. Sinon, le pauvre, il va rester blessé pendant un petit moment. Donc là, tout le monde va les manger. Ils ont faim. Voilà. Ils mangent tranquille. Alors, les poids ne régénèrent pas comme avant. Hein. Ils sont tous attablés. C'est génial. J'adore. Alors, il dort. Et normalement, il y a l'herbaliste qui va venir et qui va venir le soigner pendant qu'il est en train de dormir. Je vais le laisser. L'épisode sera un tout petit peu plus long, mais j'ai envie que. Enfin, normalement, il doit le faire. Voilà, regardez. Voilà, il arrive avec sa petite potion. Et hop! Et il le soigne, tranquille. Voilà, pouf, et il l'a soigné complètement. Voilà. Donc maintenant, c'est le seul moyen d'arriver à soigner rapidement les petits bonhommes. Donc voilà. Bien, bon, l'épisode, j'espère que ça va pas partir en fail pour la maison. Je serais un peu dégoûté. Parce que là, j'espère qu'ils vont aller après avoir fini ça. Là, ah ben voilà, trappeur niveau 1, il va devenir encore plus costaud. Je vais leur donner l'ordre ici. Donc ces petits épisodes simples, peu de construction, enfin du fail surtout. Qui l'eût cru? Pourquoi il a laissé 50 millions de trucs au sol? La prochaine fois, je pense que ça va être la construction des routes et des priorités pour tout ce qui est route. Et ah oui, mais ils sont pas allés chercher ce bois qui est là-bas. Non, on me dit pas que l'IA commence à déconner, ce serait con là. Ah. Non, ils continuent. Ouf, ils reprennent. Ouf.
C'était bien ça qui avait bloqué. Donc, faut vraiment faire attention quand on construit une maison qu'il n'y ait pas d'obstacles. Ah, c'est horrible ça. Donc, bon, ils vont la continuer tranquillement. Donc, ça, c'est parfait. Donc, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. N'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook et sur le groupe Steam. Surtout, Steam est important en ce moment puisque j'ai organisé un giveaway. Il y a 5 jeux à gagner. Allez regarder ma Riot News si vous voulez savoir les jeux qui a gagné. Sinon, vous avez tout le nécessaire sur Facebook. J'ai épinglé le message. Donc, il sera le premier message de toute façon que vous verrez quand vous viendrez sur la page Riot World. Voilà. N'hésite pas non plus à voter pour le prochain Let's Play. Pareil, normalement, vous avez dans les posts et je mettrai de toute façon dans la description le nécessaire pour aller voter pour le prochain Let's Play qu'il y aura sur la chaîne. Je vous ai proposé, je crois, 4, 8, 11 jeux en tout. Donc ça vous laisse du choix. Il y a déjà 3 personnes qui ont voté à ce jour. Allez-y. Allez voter pour celui que vous préférez voir. Moi, de toute façon, ce sont que des jeux que j'ai envie de jouer de toute manière. Donc que vous en choisissez un ou un autre, peu importe. C'est un jeu que, de toute façon, qui me fera plaisir pour jouer. Voilà. Bah, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Petit pouce up si vous avez aimé. N'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.